Que penses-tu des faibles divins? Ils sont incompétents. Oui. Et que faisons-nous des faibles? Nous en servons. Pour encore grandir, non? C'est une bonne réponse. Il n'y a pas de réponse exacte à ce questionnaire. Moi, je répondais juste que... Qu'est-ce que tu penses de la morale? La morale, c'est un petit peu comme le progressisme. La morale est un frein. Seule la quête de pouvoir et de puissance compte. Divin. La morale apporte le tabou. Oui. C'est une bonne réponse. Et qu'apporte le tabou? La paix. Mais nous ne voulons pas la paix. Le tabou apporte des limites. Comment? Les limites. Oui, des limites. Un site ne connaît aucune limite, aucune chaîne, aucune barrière. Divin. La force nous libérera, Drakez. La force doit te libérer. La force nous permet d'atteindre un nouveau stade d'évolution. Sais-tu pourquoi Traderman n'a pas survécu au 30e étage de la pyramide? Il a écouté ses émotions. Il s'est perdu. Non. Non. Oui, il a écouté ses émotions. Mais les émotions ne sont pas interdites chez les Sith. Oui, mais il n'en a pas fait une force. Il en a fait une faiblesse. Oui. Oui, excellent. Pourquoi ces émotions ont été une faiblesse dans le cas de Traderman? Parce qu'il a pris la fuite. La question n'est pas que de fuir. Tu sais... Parce qu'il n'a pas affronté. Non. La question est qu'il n'a pas réellement compris qu'est-ce que c'était que le côté obscur. Il ne pouvait pas côtoyer des seigneurs du mal comme Korriba, Drakez et Cylindré sans être freiné par les mensonges des Jedi et sentir en lui un côté lumineux qui continuait à exister. À le limiter. Quand on lui disait qu'il était sensible à la force, oui, cela était vrai. Mais ce n'est pas à proprement parler un Jedi, ni même un Sith. Il fuit les responsabilités que lui donne la force. Il fuit la vérité, car il n'est pas prêt à assumer les véritables pouvoirs que donnerait le côté obscur. Sa chute n'était que légitime. Dis-moi, divin. Oui. De quoi as-tu le plus peur? Si je le dis, faut pas le prendre mal, hein. Mais en fait, j'ai peur des gens trisomiques. Genre, ça me fait peur. Tu as peur des gens qui sont limités intellectuellement? Oui. Je peux te comprendre. Est-ce que tu les méprises? Non, je les méprise pas, c'est juste qu'ils sont... Comment dire? Imprévisibles. Oui. Leurs bêtises peuvent t'atteindre, c'est cela que tu dis. Pas m'atteindre mentalement, mais physiquement, j'ai... Oui, je comprends. Je comprends. Sais-tu pourquoi ces jeunes reluquets, ces jeunes trisomiques te font peur? Ce n'est pas...
C'est simplement que tu méprises les êtres qui ne sont pas sensibles à la force. Vous pensez ? Oui, je le pense. Les trisomiques ne sont pas sensibles à la force. Ils n'ont aucun midi-chlorien dans le sang. Voilà pourquoi tu as peur d'eux. Ce sont comme des zombies. Les zombies ne pensent qu'à une seule chose. Manger. Comme des trisomiques. Oui. Oui. Je sens que cette soirée de Noël restera gravée dans les annales de l'ordre Sith. Le Sitari Safari, le nouvel ordre, a commencé. Bientôt. L'épisode 3. Je vais parler d'autre chose. J'ai fini avec. Je te reposerai des questions bientôt. Ok.